Et après ça, pour y arriver, Haïti, environ 7 à 8 heures dans soir. Ça veut dire que Kenya, les mêmes qui est censé avoir tout officier, puisqu'elle t'a dit, là-bas, 1000 officiers, la mission multinationale soutien sécurité haïtien, mais c'est que, même 1000 officiers Kenya ont venu tout bon en Haïti. Là, dit que, j'en dis, hein, la police, officier l'armée et FADHO, mobilisé pour les résultats en un pays et mener bataille combattue armée. Merci, comment allez-vous, mon frère, avant que vous avec invité. Merci, c'est tout un plaisir pour nous rencontrer dans Mita Carrefour pour nous venir parler vérité à 15 amis internautes qui branchent tout partout à travers le monde. Mais ça, nouvelle, des infos, pas une nouvelle, votre calbasse info, racine nouvelle Haïti. La situation, bien que vous connaissez, la situation presque pas jamais changé dans le pays d'Haïti, malgré une disposition qui apprend bon côté autorité ou qui dans le pouvoir central, surtout son pouvoir qui paraît tout neuf, qui à peine installé, côté mounio pas qu'attendre et question insécurité a toujours à valer terrain, si là ou qui dans la politique, si là ou qui dans le secteur transport et divers secteurs dans le pays, il n'y a pas suspendu de vivre pour demander avec autorité ou prendre responsabilité pour permettre que la sécurité retourne dans quatre coins pays pendant, et monsieur dame qui fait partie de mission multinationale à prendre dans le pays, bien sûr. Bandi au lancé offensif, c'est qu'à quoi des bouquets et mairie quoi des bouquets passé en bas flamme différent côté des machines qui boulaient, c'est Zèvre l'amour sans jour qui a contrôlé zone si là qui pas décidé baisser les bras dans département la Tibonite. C'est même pareillement Bandi a kidnappé monde pour al constituer bouclier humain en dedans la caillou pour empêcher toute opération. C'est même genre après observatoire international pratiquement sorti un rapport pour dire qu'il y a des situations qui extrêmement difficiles pour mounio qui dans capital pays par rapport avec pression qui a subi en bas mais Bandi a examiné qui empêche c'est quitter espace pour être capable de constituer bouclier humain en dedans. Et c'est ça qui paraît comme situation. Et diverses propositions et arrivées faites avec le gouvernement. Même genre, le gouvernement font un paquet de promesses avec la population. Chef gouvernement même dit qu'il va récupérer le pays à caille en caille, quartier en quartier, ville en ville, pas de gain question. Territoire perdu, côté Normil Ramouli, même il prend responsabilité, bon bon parti dans en bas la ville qui est censé perdu, espace ministère de l'Intérieur qui était en bas contrôle, bandio, et bien pendant journée ailleurs, des personnes, en pile coup de jam échangé entre la police avec un nec exam bandit vivant sans mieux qui permettent pour qu'on y attaque à dire que l'État. Et ticas par ticas, il y a PC, donc, tu prends contrôle, il y a une série d'espaces qui gagne administration publique. Les personnes, nous pouvons discuter, nous pouvons questionner avec invité à qui avec nous. Comment qu'elle ouais, vini mission multinationale qui gagne Kenya, qui gagne Kenya qui a dirigé, et sans doute Kenya qui gagne problème la qualité, donc ça, en pile, mounio a regardé. Est-ce qu'il y a Kavin changer de données, parce que question mission, en dedans pays d'Haïti, bon bagay, qui j'aime passer, qui j'aime porté, résultat pour pas ici, en les personnes. C'est ça, m'a pas ajouté avant pour inviter, hein, c'est que n'apprendre que je n'étais jeudi 27 juin, que PM Gaïkoni, M. Chitabalé, avec AIDH, Association Industrie Liberté Prenez d'Haïti, pour garder comment que yo capable d'aider le gouvernement dans la question de taxes, dans la question ensemble de situation économique financière que le pays a connu là. Et c'est ça qui t'a parmi les trois de fonds dans le chita parler entre PM Gaïkoni avec ensemble de grands entrepreneurs dans le pays et d'Haïti. Invitez-nous dans l'émission Carrefour Vérité matin, c'est jeudi avant d'admettre bien comme ça. C'est exactement. Et Sonson Dumé, qui c'est une responsable brigade syndicale anticorruption. Tenez bien, brigade syndicale anticorruption, et PM Koni parle de question corruption zéro, et comme syndicat, et surtout qui a un travail à faire dans le secteur transport haïtien, mais brigade dans le présent, mais dans la question insécurité, on est que, et c'est un secteur très touché nan, depuis que Bandio déclenche de mouvement en pays. Comme si depuis 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 l'année, mais pendant 29 février, il y a un peu exagéré, mais brigade syndicale et anticorruption, ils ont ensemble de plaidoyer qu'ils ont fait dans la société hein, pour demander avec autorité yo, débloquer grand action, permettre que la sécurité établie dans le pays hein, et la vie capable de reprendre. Et ça, c'est une parmi un des messages que Sonson Dumé, qu'il n'y a pas jamais 6 points de poté comme syndicaliste. Sonson Dumé, s'il vous plaît, vous avez nous là, dans l'émission ça. Et merci Blaise Peterson et c'est un plaisir moi-même tout pour moi avec nous dans cadre de cette émission ça et mais ça nouvelle et je pense que jodi a et c'est un grand privilège lié pour nous au niveau des brigades syndicales anticorruption pour que nous participer et pour nous bah disons pas nous m'a salué collaborateur qui c'est Désir Venesse et moi crois que et moi réaliser
et depuis quelques temps dans l'émission ça moi la font gros travail ensemble avec moi monsieur féliciter nous comme des jeunes qui vraiment embrasser cause pays dans secteur presse là pour que nous mêmes nous informer population pour nous essayer aider à comprendre réalité ça qui a passé pays à côté que pour ensemble de dirigeants eux même yo assumer responsabilité par rapport avec crise que n'a confronté dans différents secteurs. Merci. Et Soson Dumé, nous connaissons ça qui est l'actualité, hein, c'est rivé yon anti, on premier tranchant officier kenyan dans question mission multinationale, soutien sécurité à Haïti. Hein. On même comme syndicat, alors d'abord comme citoyen, comme syndicaliste, et qui a fait un travail contre corruption en dedans et dans question dans pays, hein, et qui toujours penché ce problème et sécurité transport, qui première réaction Soson Dumé? Bon, et justement, nous constatons même avec tout le monde, tout secteur, côté que il y a un premier contingent qui arrive dans le pays, environ 400 et policiers kenyans, dans le cadre de mission multinationale qui gagne pour accompagner les forces de l'ordre qui gagne en Haïti. Bon, c'est ça, yo dit. Et nous-mêmes, nous croyons que je dis, c'est un bon signe par rapport avec ça qui a passé le pays depuis environ presque 3 à 4 ans, côté que l'État à genoux. Et nous connaissons qui quantité de scandale qui fait sous connivence en des autorités dans le pays avec des groupes armés, côté que ont toujours fait complice de tout actes et que ce soit dans niveau et population qui a victime tous les jours, qui a perdu zone côté yo te habité à chaque fois. Nous connaissons qui différents monde qui soit dans zone la Tibonite, là qui soit dans zone métropolitaine là, quantité zone côté que population yo même yo abandonné, je dis à là par rapport avec et insatisfaction ou incapacité l'État pour répondre avec responsabilité pour que eux-mêmes yo bay sécurité avec population. Je dis à réalité c'est que yo gen une force multinationale qui rentre dans pays pour que yo accompagne. Donc nous connaissons que gen pile monde et qui dans société a qui pas ouais et vini force ça non bon qui n'était capable dire non sens et positif par rapport avec souveraineté pays qui vraiment qui tombe en bas pied. Donc, mais je dis à son réalité, côté que l'État montre qu'il est incapable de poser l'ordre, même lorsque nous-mêmes, nous avons toujours fait appel avec l'armée et la police pour que le gouvernement qui était là, et particulièrement le gouvernement Ariel Henry, pour que la police à l'armée, tout moyen nécessaire, mais il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de prouvé capacité pour faire face avec ça. Et c'est pour ça qu'il a fait appel avec force multinationale là, qui pouvait accompagner. Donc, ouais, que je dis à, c'est toujours. Même lorsque gon support au niveau international, mais nous croyons que c'est force de l'ordre qui parle pour faire travailler ça. Et si toutefois, il n'y a pas capable, il n'y a pas de matériel, l'État n'a pas de moyen, même y compris international, là, pas de facilité pour que force de l'ordre, que ce soit la police ou bien l'armée, pour que j'en sais des matériels pour faire travailler là. Mais si ces moyens sont utilisés, malgré nous connaissons à partir des missions, ça, il y a des autres missions qui gagnent, des missions non dire. Des missions non déclarées, nous connaissons qui gagne, mais justement, nous croyons que c'est un bon signe et moment ça, nous croyons que la population doit faire solidarité avec force de l'ordre nous gagne dans le pays hein, qui pour aider à dénicher tout bandit nous connaissons qui est prend population en otage qui fait que population pas qu'à vivre comme ça doit. Donc c'est nous-mêmes nous prend acte d'arriver notre ça et force ça dans pays hein. Donc nous-mêmes n'a suivre de près qui action nous va faire, sauf que nous-mêmes déjà nous dénoncer forme encore que l'État haïtien li signe avec Kenya sous base que yo ba yo toute immunité pour quel que soit zak yo ta commettre dans pays, que soit viol ou bien quel que soit ça yo ta capable venir comme maladie par rapport nous connaît conseil des missions qui compte porter on sait des maladies dans pays, que yo pas même prend en charge différents dégâts ou bien tort yo fait population. Donc question ça lui même li vraiment préoccupé nous lorsque nous apprendre que quel que soit action zak malhonnête que et policiers kenyans ont commis dans la société sous citoyens haïtiens, donc ils n'ont pas eu répondre de la justice haïtienne, donc ils ont joué des onces et immunité. Ça, nous-mêmes, nous dénonçons et nous croyons que si on bataille brigade la palgne pour le faire, dans le jour qui vient là, c'est une choix de bataille nous côté que question ça, nous-mêmes, nous pour nous dénoncer à chaque fois. Et lorsque mission ça lui-même, ou bien différents
force militaire ça a commis une série d'actions négatives sur la population. Non, nous allons venir sur point ça à l'heure comme ça, ou déjà anticipé sur l'IAN. Moi, c'est que nous allons venir sur ça à l'heure comme ça et en détail dans des questions que nous allons poser. Mais et pour même et sur son dumé, et quel est le monde qui dit que officier kenyan yo yo pas ta doué même prendre un tadi temps pour ta accompagner la police, accompagner l'armée d'Haïti pour t'amener des opérations parce que situation tellement exagérée là à empirer, c'est que c'est juin jeudi après 2-3 jours commencer mettre dans opération. Et est-ce que même où elle constate tout comme ces syndicalistes? Bon, nous-mêmes, nous croyons que bon temps pour bail force parce que pas oublier faut faire étude même maintenant tout secteur là où gain pour mener une opération ou bien pour mener une activité quelconque. Si son terrain ou bien son espace ou pas habitué avec, bien connaissance des espaces là des zones yo, faut faire cartographie zone yo pour essayer comprendre bien qui genre réalité qui gagne par rapport à différentes zones. Pas oublier que je dis même lorsque nous pas pour visiter pays Kenya, mais nous connaît forme de aménagement territorial nous gagne, c'est ce que n'est pas fait même genre au Kenya. Donc bon, c'est des connaissances faut faire, faut mettre yo avec le commandement police là et ou état-major l'armée hein, pour que Yoshita pour définir un plan comment yo pral essayer et alors non seulement définir ou bien élaborer un plan comment yo pral chita pour yo mener une série d'opérations qui pour des opérations qui pour porter des résultats. C'est pas même gens ou te ouais autrefois la police ou bien l'armée d'Haïti yo gen pour mener une série d'opérations en y fonti déplacer faire un 2-3 heures temps 4 temps et puis yo gen retourner et puis soit yo victime 2-3 nan policier ou bien pa konnen si c'est militaire qui ta victime. Mais je dis à moi que si une opération k'ap fait faut une préparation qui fait, si son opération qui capable fait, si son en semaine, si son mois pour le faire, c'est 2 mois jusqu'à ce que yo joignent un résultat par rapport à ces zones côté que bandi yo prend en otage. Nous croyons que ces résultats ça yo nous besoin. Donc nous pas courir dit rapidement pendant yo vini an dans 2-3 jours faut gen t'emmener opération faut chercher comprendre réalité terrain an, ki jan bandi yo positionné localisé yo de conseil avec ou état major la police ou état major l'armée d'Haïti pour que yo même yo définir un bon plan de sécurité pour mener opération pour capable porter des résultats pour capable joindre une satisfaction dans ça que nous même la confronter dans question insécurité ba mande ça et soso dumé nan jeune que mardi 25 ans les que premier tranche officier Kenya est arrivé que PM Gary Koni non question journaliste posé li té sous question et parole barbecue té dit que li mandé dialogue et li besoin pour dialoguer tout bagay sa yo et PM Koni té répond journaliste pour té dit que bandio que pour déposer les armes et reconnaître autorité de l'état et après ça l'état connaît ça l'a fait. Est-ce que ou même ou pour que c'est déposer les armes pour bandio après ça l'état t'a négocié avec yo t'a parlé avec yo parce que gèlè moun ki trouvé que et question déposer les armes pour bandio c'est comme quoi le table est entré dans le cadre de négociation ou dis-moi est-ce que c'est comme si m'a dit que c'est entré dans le cadre amnistie sorti dans ça et comment comprendre et déclarer ce PM non. Bon, nous-mêmes, nous croyons que nous ne pouvons pas essayer de condamner ou bien prendre une déclaration ça à contre-pied. Même penser tout, déclaration que l'IFA fait, son déclaration qui gagne sens libre par le fait que rapidement si nous est capable de groupe armé ça yo rend yo compte yo te fait population c'est de tout kounya là y a mandé pour yo rentrer dans cadre de dialogue pour connait qui gens yo même yo ta déposer les armes en tant que autorité en tant que yon chef de capable dire gouvernement lui même li pas gain pour li rapidement pour montrer que solution c'est essayer nous est capable dire essayer et affronter ou bien tuer et bandits ça groupe armé ça parce que de toute façon c'est haïtien oui. Mais à côté de ça nous croyons que dans même déclaration en grande sorte de diplomatie gagne des non dit tout c'est sûr que gagne des bagarre PM dans lui même il va pas le dire mais gagne des instructions qui gagne pour passer pour que force de l'ordre eux même prend responsabilité yo. Donc je dis là c'est pas monsieur qui pour dire qui ça qui doit venir ou bien qui décision doit prendre qui pour aller dans intérêt yo parce que les ont fait action ça yo. Côté que yo t'ap tuer population yo t'ap violer moun et m'est capable dit tifi et yo t'ap violer mesdames yo donc faut yo te rendre compte que ça yo t'ap faire c'est société a yo t'ap mettre dans situation difficile si jodi a là à partir de
des massacres qu'a fait pour que jodi a nous joindre satisfaction. Et c'est là, c'est à partir de ça que le gouvernement ou bien l'État haïtien lui-même pour faire population en justice par rapport avec toute dérive, tout dégât que bandit ça eux même ont fait sous population. Donc nous croyons que jodi a là nous même et nous croyons que c'est pas PM dans lui-même qui pourra définir ou bien qui est-ce que qui sont pour le bandit, il revient avec l'État haïtien, avec la justice qui pour essayer pour un contrôle bandit à travers force de l'ordre et puis pour juger peine, pour juger condamner selon ça et même été fait sous population. En avance, les Ivenes. Très bien, Dimé Sanson, en tant que responsable, en tant que syndicaliste, je crois que secteur que wap défend population, wap défend peuple, wap défend chauffeur, wap défend propriétaire, wap défend tout, même passager. Depuis un bon bout de temps, secteur ça qu'on est des situations qui est extrêmement difficile. Sorti février pour arriver jeudi, est-ce que Dimé Sanson a partagé avec Zami Internet, qui ça qu'elle gagne comme données bon côté propriétaire et chauffeur et passager de ça que vous connaissez face avec l'insécurité généralisée qui gagne dans le pays? Bon, pratiquement, nous sommes capables de dire secteur et transport sont secteurs qui sont à genoux. Et si nous ne pas dit, c'est pas principal secteur qui bon nous même qu'a dit c'est nos principales victimes qui plus victimes par rapport avec tout secteur pas oublier que secteur transaction secteur transversal lié une fois qu'il est affecté donc toute société a même touché parce que tout ça qu'a fait en termes d'activités socio-économiques c'est à partir du transport là nous connaissons ça qu'a passé en termes de question production agricole gagne dans pile zone dans région l'autre région yo par exemple sous zone grand dans ou bien zone grand sud là nous connaît les paysans yo même yo fait des productions qui pour vivre dans capitale là pour capable de servir moun yo communauté dans zone métropolitaine là. Donc c'est à partir de ça qui permet yo gagne un seuil d'activité économique. Donc à partir de tout ça qui a passé côté que grand action qu'on a yo bloqué si nous t'a voulu parler sous zone et sud là seulement. Il y a environ 7 à 8 postes de péage qui gagnent pour gagner accès pour aller zone Miragouane ou bien jusqu'à Okaï ou bien Jérémy. Ça veut dire de Port-au-Prince pour arriver Gressier, ça veut dire qu'il y a environ 8 postes de péage. Est-ce qu'on ne retire pas plus? Ça veut dire que nous avons une situation extrêmement difficile. Nous connaissons différents chauffeurs côté que nous comptons kidnapper ou bien les gens des matchs groupes bandits ou même nous fait côté que les gens exigent les chauffeurs pour payer on sait dire. Et comme pour que vous ayez accès avec route yo si toutefois chauffeur ou pas gen moyen ça yo mande yo à partir de ça qu'on gen des situations côté que chauffeur yo victime yo tué chauffeur gen des passagers qui victime donc dans sens ça nous croyons que je dis à là si nous t'a vle présente un bilan de quantité de dégâts qui fait par rapport avec non seulement en pile fois les yo kidnappé chauffeur yo gen rançon pour payer mais gen les yo kon kidnappé chauffeur à toute machine yo. Laisse ça pour y a demandé parfois pour payer n'importe 100 000 $ haïtiens si tu avais parlé de un chiffre ou bien 500 000 gourdes. Est-ce que vous comprenez? Bien on sait des situations qui que nous vivons nous croyons que li vraiment secteur a vraiment touché donc l'état nécessaire pour que l'état haïtien tachita avec chauffeur avec différents entité, nous sommes capables de responsable dans le secteur transport pour nous être capables de présenter cahier doléances à travers ça que nous avons comme victime dans le secteur. Donc nous-mêmes, nous croyons que son secteur, nous sommes capables de dire, qui desservit, nous sommes capables de dire, communauté, à partir de ça, nous connaissons, que ce soit les timons qui prennent l'école ou bien les professeurs eux-mêmes, qui ont pour le travail. Tout le monde dans la société a qui ont des activités, que ce soit le monde qui prend le travail dans la fonction publique, là, des monde qui des petits personnels, toutes catégories, des monde qui machin, par exemple, c'est à travers le transport que l'activité même yo lancé. Donc, sous base ça, nous croyons que c'est un secteur qui est vraiment victime. Et si nous sommes capables d'essayer de jouer un chiffre, nous sommes capables de dire que nous ne pouvons pas contrôler, même parce qu'il y a des cas qui sont isolés, nous ne pouvons pas même gagner temps même pour nous être capables de pour nous capables d'essayer de mettre yo non données non réelles qui pour capable nous t'a présenter un bilan par rapport avec tout déficit tout dégât tout ça que nous mêmes nous victimes dans ce secteur ça donc son secteur qui vraiment affecté mettez tout ça on est que nous mêmes n'a vivre non seulement l'état pas bail chauffeur aucun accompagnement social par exemple nous connaît bon c'est des batailles nous qu'on fait pour nous demander pour que yo ta gagne au moins une carte assurance pour que chauffeur ta gagne subvention à travers encore qui était signé avec l'État haïtien, le secteur transport et l'État haïtien pour que vous ayez une carte pétrolière. Mais malgré tout effort qui fait au niveau du secteur ça, syndicaliste qui a fait revendication, ça, mais l'État lui-même n'a pas respecté tout engagement qu'il prend. Donc, dans ce sens, nous croyons que
bilan li catastrophique et nous quoi jodi a la si gouvernement ça vini li même pour que li même li font travail pour que li essaie garder comment yo capable non seulement rétablir sécurité dans pays débloquer grand action et en même temps tout faut regarder qui programme yo capable lancer pour accompagner différents chauffeurs ça yo qui victimes de tout ça nous connaît qui cap passer dans secteur sur route au côté que nous même nous a victimes tout temps. Très bien. Et comme représentant syndicaliste qui essaie d'entendre et garder passer à besoin sur ça qui vient comme situation que secteur ça connaît. Est-ce que vous pensez avec Rivé, gouvernement Sila, conseil présidentiel 9 membres et premier ministre Gary Koné qui déjà mettait gouvernement Chita à travers diverses déclarations et promesses qu'il fait, les pral Rivé et stopper question insécurité qui gagne dans le pays, qui permet dans le mouvement politique diverses machines passer en bas flamme, dit fait, sans compter diverses autres, que bandits saisis, qui pas même, et qui a retourné à jeune propriétaire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement pral aborder le problème ça, pour rendre que la vie plus facile? Bon, je dis à la son situation, de fait, côté que nous, quoi, je dis à nous-mêmes, nous voulons optimistes. Nous voulons optimistes parce que par rapport avec ça que la population a vivre là, nous pas capable encore. Et si le gouvernement ça lui-même, par rapport avec tout et ça nous capable de tendre comme discours, PM, nous-mêmes nous prenons note. Quoi que nous-mêmes, nous croyons que depuis la démarche qui a fait pour le gouvernement, ça a été installé. Et nous-mêmes, il y a des situations, nous pas attendre nous que il y a des grandes choses qui t'a pas fait. Mais par rapport avec dernier jour ça yo dans quatre discours ou bien des démarches nous ouais et des actions qui commencent à vouloir poser nous voulons rester optimistes pour nous bail bénéfice que gouvernement ça lui-même est capable joindre un moyen pour être capable bail en satisfaction pour capable en bail en amélioration par rapport à problème que nous-mêmes n'a confronté nous pas dit et non seulement parce que le gouvernement a manifesté à travers un discours mais population en toute société a gagné rôle pour vous jouer tout et nous croyons que je dis à là par rapport à des dérives qui t'ont gagné et à travers l'autre gouvernement qui t'est passé au côté que en pile fois et il y a des monde dans niveau l'état dans niveau secteur privé dans niveau politique qui était toujours des mèches avec bandio je dis à là faut question ça faut gagner des lumières qui établit faut gagner des et des enquêtes qui menaient pour eux, qui moun qui t'a utilisé bandit ça qui a mis de l'eau dans les yeux population donc faut gagner des lumières qui fait sous question ça et nous croyons que je dis à là à partir de travail ça ou bien lumière ça ou bien enquête qui te pour ta faire pour ta juger moun ça qui mettait situation ça dans pays et pour nous dire c'est trop à top ça pas de reproduire encore donc nous croyons que je dis à là à partir de démarche initiative qu'a prend nous-mêmes nous voulons être optimistes et nous croyons que faut population lui-même lui bail participation parle pour lui porter coller avec force de l'ordre avec le gouvernement attention parce que l'état vient pas gain moyen pour le faire face avec situation sociale économique yo donc laisse à nous dire mais de toute façon nous connaît qui conséquence monte gaz lui-même lui si éliminer subvention qui ça le pas le faire donc qu'on a la foi yo ta au moins permettre que yo bail une subvention avec transport pour que population Gaza lui-même pour prix course machine ne pas monter sous deux populations. À côté de ça nous demander faut gagner l'autre programme qui lancé que ce soit avec secteur et ouvrier au syndicat et capable dire monde qui travaille dans factory pour lancer on sait des programmes pour bailler on sait des accompagnements. Nous te même demander pour que yo bail moyen avec la police pour que lui-même lui joigne des matériaux de munitions pour que lui fait travail lui. Bail possibilité avec professeur yo pour augmenter salaire. C'est tout, on sait, son paquet de GTE, ça à partir de tout effort nous fait pour l'État lui-même, lui pas éliminer subvention de manière générale, parce que yote vina avec on sait des arguments, yote montré que subvention, ça qui a fait là, même on sait des entreprises multinationales, si nous avons parlé de, que ce soit Diesel ou bien Brana ou bien tout, donc, ça veut dire, même, yo bénéficier de subvention. Qu'on y a, yo ciblé subvention, qui vous permet que population, masse défavorisée, yo même, yo plus ou moins bénéficier. C'est là. Mais, qu'on y a, si gouvernement, ou bien l'État haïtien, à travers un accord qui lui tient, lui paraît secteur, laisse à lui-même, c'est pas secteur à lui-même, qui doit répondre des irresponsabilités. Et mettez sous ça, nous autres, au niveau de Brigade syndicale anticorruption BESAC, nous faisons des protestations, nous dénonçons irresponsabilité l'État, nous dénoncer par le fait que yo pas respecté engagement yo côté que pour yo te bail sorti quatre pétroliers qui pour ta permettre que population lui-même n'est pas payé prix cos machine nan, par rapport avec gens que lui-même yo te fait ajustement sous Gaza. Donc c'est ça lorsque l'État lui-même n'est pas respecté engagement, là ça c'est pas nous-mêmes nous autres qui étaient de bonne foi, qui étaient besoin accompagner population, c'est pas nous-mêmes qui pour porter responsabilité pour yo.
en tant que brigade anticorruption de l'équipe et nous prenons l'essence qui ça que nous essayons de porter comme dossier que nous sommes capables de comprendre tout bon vrai que brigade là les mener en bataille et surtout dans secteur dans secteur transport pour épargner vague corruption qui vient dans le pays parce que si nous suivons notre premier ministre Gary Konivin là il a mené au combat zéro tolérance contre la corruption et dans la question gaz qui n'a pas lié là donc on est un paquet de corruption qui fait la donne qui modèle combat que nous menons à quel résultat qu'il a abouti. Bon, Venès, mon cher, je suis capable de dire, moi-même, pas même t'as envie de parler. Parce que, bagayo là, et position nous au public, et nous capable de dire, à partir de mois janvier, nous connaît qui, ensemble des initiatives que Brigade syndicale anticorruption t'a mené. Non seulement nous t'as protesté, nous t'as demandé l'État haïtien à travers le gouvernement qui était là, pour te prendre responsabilité, pour te bloquer, débloquer grand accès pour permettre la population lui-même, il va que librement avec activité. À côté de ça, ou pas oublier, nous t'es dénoncé un contrat que, et ministère commerce, qui était à travers ministre qui était signé, on a un accord avec Bandar près de 400 millions de gouttes. Non seulement tu as un fonds qui est alloué pour la commission, hein? Yon fonds qui pour te permettre que yon baye 4 pétroliers pour te passer, on sait des montants sous 4 pétroliers ça pour permettre chauffeur yon jeune gaz là et puis peut-être pour yon ka refixer prix cous machine yon non prix, non montant qui capable favorable avec population en général. Mais à quoi ça, ou bien contrat ça qui te signé avec FIM Bandari SA, côté que ministère commerce ou bien ministre commerce la TCN et ministère finance, donc pas de transparence qui fait sous lui, nous même nous te même dénoncé ça et nous te interpellé ensemble de institution dans le pays qui pour vérifier comment à quoi ça lui même était passé, parce que nous autres au niveau de commission ça nous pas de chance pour nous dire ouais contrat ça c'est que nous même nous te demandé dans cadre réunion que nous te gagné avec ministre, pas oublier nous même qui fait partie de commission ça, c'est pas nous même qui a passé contrat, c'est pas nous même qui ordonnateur commission, nous pas gagné un fond non mais nous c'est pas nous même qui gagne accès avec transaction ça. Transaction ça c'est ministre là qui c'est ordonnateur. Et il me capable dit programme là c'est lui-même qui vient pour ouais avec question ça lorsque nous ouais gagne des bails qui pas fait avec transparence nous dénoncer lui et laisse ça nous attirer de société en général nous attirer l'autre entité et il me capable dit dans l'état qui vient pour faire travail ça OK soit coup des comptes ULCC ou bien UCREF qui pour garder comment contrat ça a été passé est-ce que été respecté toute norme tout ça qui régit en termes de passation de marché dans cadre contrat ça donc nous-mêmes nous fait travail pas nous. T'as dit, tu as dit, brigade là, entendre des dénonciations tout simplement, pas gagner l'autre suivi qui fait, soit sous papier pour aller de A à Z, pour dire de telle date à telle date, mais ensemble des chiffres qui ne devinent avec, et soit pour tes subventions qui pas arriver à atteindre avec vrai ciblant, qui c'est chauffeur ou bien propriétaire machinio, pas gagner des chiffres, des données, et si elle cherche là, que brigade là a présenté. Oui, nous bayo et nous veut pas non jou ka vini, pas oublier que entre nous faut entendre nous pays a censé camper, pas gagne on c'est des initiatives on monte ka fait qui pour ta pas bayon résultat. Donc là nous considérer un pays qui à partir de tout l'autre mouvement initiative nous t'apprend de mois janvier février au niveau de brigade là, pas oublier que nous t'es dans mobilisation tout ça que t'as fait qui côté que nous t'as protesté qu'on a payé à tes vins sans ces campagnettes à partir de 29 février nous connaît tout ça que t'as passé dans le pays. Donc c'est qu'on a commencé à conseiller des initiatives qu'a prendre pour ramper l'état, pour restructurer l'état. Donc je dis nous quoi que à partir de ça qu'a fait yo et commission toujours là les mêmes dans jour qu'a venir là nous quoi que nous gain pour nous réunir pour nous travailler et brigade là les mêmes dans niveau PAM qui fait moi-même personnellement qui fait partie de commission ça mais on sait des initiatives m'a prend et moi quoi que la presse a beaucoup ça veut dire nous même travail nous t'es déjà commencé à faire dénoncer ou bien mander l'autre institution et se reprendre pour regarder comment contrat ça a dépassé. Formellement nous gagne de l'autre initiative nous pas le prendre pour que nous-mêmes nous continuions dans cadre bataille que nous-mêmes nous baille tête nous comme mission pour que nous-mêmes nous faire lumière nous porter ensemble de revendications qui capable bénéfique pour population pour société en général. C'est vrai, m'a retourné avec aspect sécurité, hein. Et Jimmy Soso, comme syndicaliste dans le secteur transport. Il y a des acteurs qui dit que, yo, ouais, avec Vini et officier Kenya, yo, la police nationale d'Haïti et l'armée, hein. Yo, t'as doué, gen moun ki wè que, c'est à commencer à mener des opérations dans foyer de gang, yo. Ça veut dire, dans zone côté bandit occupé, yo, t'as qu'on surtout dans base, yo, dans fief, yo. Mais gen l'autre moun ki dit que, c'est à commencer à délibérer grand axe outil, nous, yo. Route sud, route nord, l'autre côté encore, qui c'est de grand axe qui important pour pays, hein, pour capital haïtienne, non. Ou même comme syndicaliste, qui côté exactement où est, comme si m'a dit là, malade là, maling là, qui côté où t'as commencé, yo t'as de commencer à soigner là, complet.
Moi-même, je pense que la situation, ça y a, tout ça que nous avons dit là, je pense que tout ça fait à peu près en même temps. Vous pensez que c'est pour ça? Vous pensez que capacité pour ça, la police l'a mis émission? Et alors, et ni pas seulement en termes d'effectifs, mais en termes matériels, tout. Oui, attendez, ça veut dire premier bagage qui gagne c'est une volonté qui pas gagne, une volonté politique qui pas gagne. Même avant gouvernement ça gagne des initiatives qui était doué prendre qui était fait, mais pas oublier que et moun qui était fait partie du gouvernement en pile fois yo reprocher yo de moun de autorité qui gagne de connivence avec bandi. Même parfois yo kon même dit est-ce que même groupe armé ça yo autorité ou bien gouvernement qui était là, il n'a pas utilisé pour te faire plus de temps parce que pas oublier qu'il était grand accord qui était bail limite gouvernement patient, limite à, gouvernement Ariel Henry, c'était 7 février 2024 là. Donc, il même pas entendre remettre pouvoir, non seulement il n'a pas organisé l'élection. Donc, on est là, il a joué sous question insécurité pour te faire plus de temps, pour te permettre ces forces multinationales là qui rentrent pour jouer de toute protection avec force ça pour que yo même yo rete yo fait élection yo fait on dure des temps sous pouvoir. Donc tout ça yo c'est des situations que nous même nous connaît, mais et pour nous garder question et débloquer action en même temps mener on sait des opérations, ça c'est bon bagage qui t'apparaît difficile. Une fois que yo défini un plan d'opération pendant que il y a des tracteurs et des bulldozers yo même qui a positionné on sait des points et avec on sait des blindés en même temps tout. Pas oublier force multinationale là qui vient là, yo même yo bien équipé, yo on sait des matériels. Nous d'après information nous joignent qui yo était déjà mené pour yo pour que yo même yo mené on sait des opérations. C'est pas même gens avec une cap dit force de l'ordre que soit la police ou bien l'armée que non seulement l'État ou bien gouvernement pas fait acquisition, même on sait des hélicoptères qui capable essayer et traverser zone bandi ou bien par rapport dans cadre opération pour ta utiliser yo, mais nous croyons que mission ça qui vient là son mission l'ONU. Lui-même censé accompagner qui gagne États-Unis qui gagne principal qui c'est l'ONU qui va accompagner mais il pas onusien non non seulement qui baillon c'est des matériels qui baillon moyen. Allô Jumé et Jumé original et Jumé Gelégon son clair par ah Jumé son Jumé on est tellement habitué avec Jumé original là. Oui, Jumé oui. Soson et Jumé Soson qui est même c'est responsable brigade syndicale anti-corruption et Andy Bessac avec lui que n'a regardé là et vraiment et bam tourner avec Jumé Soson et Jumé Soson qui est même c'est invité dans l'émission Calfou. Oui, Jumé, où t'as dit? Allô Jumé? Oui, donc nous avons dit ça, tout. Vous dites oui, c'est une mission qui a besoin de support aux Nations Unies, mais ce n'est pas une mission onusienne. Ce n'est pas une mission onusienne. Oui, normalement. Oui, mais normalement, c'est au niveau de Conseil de sécurité qui a approuvé la mission. La résolution. La résolution. Donc nous croyons que vous ne pouvez pas laisser. Kenyan force là pour compte yo y a balancé de plusieurs pays déjà répondre pour balancé des accompagnement participer que soit Canada ou bien les États-Unis qui c'est principal acteur qui mène force à venir là. Donc nous croyons que non seulement en termes de moyens logistiques tout ça yo gagne comme matériel yo voyez yo déjà voyez nous croyons que les ça yo a capable gain capacité pour mener on sait des opérations en même temps. Donc non seulement l'État haïtien à travers travaux publics à travers et force là mais qui là à travers la police donc matériel était déjà gagné. Donc qu'on a la foire font porter bourré on pense que et pendant qu'il y a débouché grand action et même si nous pas capable pour déboucher toute action en même temps mais tant pour déboucher axe grand sud là par exemple et yo capable utiliser tout moyen pendant que gen des opérations cap mener en même temps tout yo capable faire travail ça. On comprend dire une fois que gen volonté politique là gen volonté au niveau de autorité l'État yo gen pile effort qui cap fait et on a senti ça tout mandi yo en pile là dedans commencé sentir en faiblesse gen des autres stratégies yo commencé à développer pour ta même familiariser ou bien charger pénétrer dans communauté yo pour que yo familiariser avec moun yo peut-être pour que
pour pas qu'à identifier facile. Donc, il y a des démarches, il y a des stratégies, comment ça fait dans ce sens-là. Donc, quoi, que population, eux-mêmes, faut pas prendre nan manœuvre ça que groupe armé a fait, bandit ça a fait pour que y a dit moun yo tourne la caillou ou bien tourne dans zone yo, y a cherché une façon pour yo chercher familiariser population pour yo faire servir bouclier pour yo pour que yo protéger yo lorsque qu'on y a la pral gen des opérations pral mener pour pas ka identifier facilement. Donc dans sens ça nous croit que il faut gen des informations, faut gen des faut population du mais nous collaborer avec les forces de l'ordre. On va avancer. Et communication abanon ti fil arrêt de la rue désir. Et bon, c'est oui, Oui. Oui, voilà. Oui, mais qu'on a là du mais, m'a pas venir sur ça quoi, m'ont trouvé une souli, question ça et sur l'organisation ça qui pourrait du rapport ça, qui découvre que bandi améo, yo mette pression sur moun yo en pile dans moun yo dans zone yo, soit pour moun yo été pour moun yo pas quitter dans zone pour continuer tout. Mais c'est ça qui arrive parce que moi-même personnellement moi t'ai gagné des camarades moi dans niveau Carrefour yo informé nous que bandi yo a identifié plusieurs cailles de moun dans communauté yo qui a abandonné cailles par rapport avec tout ça nous connait y a fait comme exaction sur population. Donc kounya là y a dit moun qui t'ai pour déplacer yo t'ai mettre en même temps tout y a essayé rentrer dans espace ou bien cailles moun ça yo même pour faire pour chercher des niche pour cacher, pour se comprendre en façon pour que les ovins gagnent des opérations pour le mener, pour que vous pas qu'à faire différence, pour pas identifier. Donc son situation nous connaît qui commence à faire et les nous garder tout ça qui a passé dans différentes zones sous zone quoi des bouquets côté qui gagne en pile dans bandio cap distribuer l'argent par population cap chercher familiariser. Donc nous connaît son situation vraiment et déplorable et là nous garder situation moun yo tout moun yo manquer comprendre après moun yo essayer malgré tout ça yo victime de bandi ça yo en même temps et ce moment ça yo accepter bandi yo a essayer rentrer dans sein yo pour que yo même yo vienne joindre l'autre traitement pour que yo même malgré tout ça nous connaît que moun yo subi même malgré tout yo voulez collaborer à bandi yo. Donc dans sens ça nous croit que faut et gien des initiative qui prend pour vraiment pour identifier bandi yo pour que pas gagne trop dommage collatéral qui fait même lorsque nous connaît nous pas éviter ça parce que gagne des zones par exemple nous connaît gens moun yo positionné dans ces quartiers que soit sous zone Belair sous zone la Saline ou bien village de Dieu côté que grand quantité moun qui habité en même côté avec bandi yo. Donc dans sens ça nous croit que faut moun yo très vigilant en même temps tout faut yo chercher commencer garder qui gens yo capable collaborer avec force de l'ordre pour que yo même yo éviter de tout dommage collatéral qui capable faire dans cadre opération ça. Mais là tout est gens qui a chercher sympathie population civile là et est-ce que vous avez parlé de l'argent n'a garder les capable avec surtout dans mon sans jour est-ce que situation précaire misère là pas une raison faire mon accepter des conditions avec bandi améo selon même et 60 du mai. Oui, justement, parce que pas oublier tout, l'État pas prend responsabilité. Là, nous connaît, mes amis, c'est ça fait question corruption, impunité, c'est lui-même qui nous doit déraciner, parce que les gens, on sait des budgets qui alloués, non seulement, en pile fois, budget, c'est pas des budgets investissement, c'est pas des budgets qui réalistes. Et lorsque, qu'on y a la gouvernement lui-même, la travaille son budget, c'est plus son budget fonctionnement. Qu'on n'y a pas, on sait des investissements qui fait, il y a des mounios qui décapitalisent, secteur informel, là, par exemple, des mounios qui qu'on cherche la vie dans zone Kwabo Salamba la ville toute zone ta écrasé moun yo pa gagnen vraiment yo fait comme activité économique. Donc qu'on y a les moun yo rivé yo mette yo a fonctionner comme si bon côté bandit et la police l'état pa jam prend responsabilité pour te limiter des garçons pour situation ça pas rivé et nous les nous connaît quantité cob qui gagne qu'il soit dans cadre budget qui gagne sous question et système éducatif là bon fond qui c'est FNI à travers transfert qui compte gagner, yo relevé on sait des taxes qui pour faire fonds ça là nous connaît qui gagote cap passer et non institution ça FN là nous connaît tout ça cap passer même ministère éducation nationale côté que lui même lui yo hébergé dans plus passer 18 espaces différents. Donc c'est vaste corruption qui gagne, c'est toute situation ça qui mette population dans tout pays qu'on y a nous connaît qui gagne dans zone Caraïbe là ou bien dans tout effort pays a fait question et l'école là par exemple primaire secondaire l'école gratuite non l'état qui respecte tête li ça son minimum pour faire
Donc nous ouais ça yo pas jamais respecté, non seulement yo mettez population dans situation difficile, tout moun yo sait pour qu'on est pour débrouiller pour joindre moyen pour mener ti moun yo l'école ou bien pour permettre ti moun yo joindre peine l'instruction, mais l'état pas ba yo aucun encadrement. Donc c'est toute situation précaire ça yo qui mettez population dans situation ça, côté que gon paquet ti moun et groupe ça yo même a exploité, les politiques a exploité et on sait des monde dans secteur privé a exploité côté que yo mette zam nan men yo jusqu'à ce que yo même y a des propre tête yo propre pays yo. Donc c'est dans situation ça nous là, c'est une situation qui vraiment précaire et nous croyons que il faut que l'état lui-même, même lorsque l'a mené travail ça à travers mission ça, y a essayé faire on sait des opérations pour yo améliorer question sécurité, parce que nous croyons que c'est ou pas lever un bon matin tant que vous nous dites dans 3-4 mois dans un an problème de sécurité ça dans niveau lié là il va le résoudre. Moi matin moi son bagage qui gagne droit, si toutefois yo capable améliorer peut-être ça qu'a prendre pour 2 à 3 ans parce que situation Jean bagage là il est vraiment grave. Donc c'est première fois pays a tombé dans niveau comme ça par rapport à question de sécurité. Donc la pointe temps, mais en même temps tout faut l'état lui-même lui marre sentir, il faut vraiment commencer lancer des programmes et social, lancer des programmes qui vraiment programmes durables qui capable vraiment améliorer la population pour société que nous-mêmes nous n'a gagné dans 10 ans dans 20 ans pour c'est pas situation ça qui gagne encore. Faut l'autre zone ça, zone y a pris les zones de non droit, zone quartier populaire, faut gagner vraiment des programmes qui lancer on sait des programmes école professionnelle, lancer on sait des programmes et permettre lui construire en quantité l'école nationale, l'école lycée pour permettre offrir si moun yo pour que yo même yo gon demain meilleur pour assurer avenir à travers qui tout on sait des programmes qui capable permettre pour préparer pour l'autre citoyen pour permettre que pays aller même lui pas tomber dans situation ça lié et je dis à là Jean se parler là gon bagarre dit à la carte attention et sur ce du mai ou dit que situation insécurité a pas nous pas caler un bon matin nous résoudre avec force et andi force la police l'armée d'Haïti et mission qui venir là et ça veut dire là nèg là pour que Canada en pays. Et c'est mission ça yo. Bon, ça arrive. Bon, moi-même, ça me le dit tout. Et c'est ça fait tout. Nous croyons que nous avons des positions, nous parlons dans le jour qui vient par rapport avec question immunité. Il y a parlé pour force ça qui là. Si l'État haïtien pas qu'à garantir droit moun yo lorsque yo victime pour que yo même moun sa yo qui fait partie de mission ça qui vient là, nous par contre pour combien de temps là? Faut que yo d'ailleurs faut yo rendre encore ça lui-même li public pour moun yo connait qui ça qui là dedans. Non seulement question bagay ça faut yo regarder li, faut yo regarder question encore ça qui signer comment que moun ça yo gagne immunité pour si toutefois yo commet on ces des actes pour l'état haïtien, la justice haïtienne pas ka juger yo, pas ka condamner yo. En même temps tout faut qu'on durée qui pas aller longtemps qui on comprend si c'est 2 ans nous connaît mission ça fait pour le faire, si c'est 1 an la fait pour le faire, ou bien le temps que yo même yo améliorer yo augmenter capacité nous acheter des matériels, non seulement nous augmenter force nous gain là yo pour que nous même nous prend pays nous en main pour que nous même nous avancer, parce que si toutefois moun yo a fait exaction pour population et puis qu'on est là ou dit que yo pas ca juger, pas ca condamner, donc nous même nous pas ca kembe yo là pour en pile temps tout. Si c'est 2 ans à faire, que vous faites 2 ans, vous même rentrez la caillou avant même vous foncez des dégâts dans le pays. Et ma quoi, si m'a trop MDZ, un PM non bien conseil présidentiel, m'a changé qui est, et qui te demande, soit DG la police à tout, qui te demande avec un ensemble de organismes, société à droits humains, un ensemble de secteurs, pour que yo travaille dans la collaboration avec la police, non? Est-ce que le fait que nous prenons des positions comme ça, est-ce que le papa déjà, selon vous-même, du et sur ce du mai, pral affaiblir le travail de la police dans l'armée et puis mission qui là, selon vous-même? Bon, nous-mêmes, nous pas quoi que nous pral affaibli. Non, seulement nous, si on a quoi qui signe à quoi à lui-même, les gens ont ces idées protection, les pas bail citoyens, yo. Donc nous ramener pour regarder lui. Si il y a des corrections qui vous faites pour faire lui. D'ailleurs, un gouvernement, par exemple, qui pas gon légitimité, qui pas dans l'élection, il pas qu'à permettre pour on signe un accord qui pas protéger citoyens, yo. Pour bail moun yo tout accès, pour dire que si on viole un moun, yo pas ka juger ici si on fonce des actes, est-ce que vous comprenez sous population pour pas ka juger bagage ça, nous même nous penser son bagage qui vraiment insensé. Donc c'est ça fait que nous même nous croyons que ensemble de organisation dans société civile là droits humains tout ça nous gain pour nous lever voix nous pour nous dire non question à quoi ça faut réviser li. Sinon faut inscrire mission ça non durée qui pas trop longue, si c'est
Si c'est 2 ans, si c'est 2 ans, c'est une mission ça. Donc nous croyons qu'il y a des l'autre bagaille qui arrive. Mais faut vous rappeler que le Canada a dit pas une capacité pour venir résoudre le problème qui est en Haïti. C'est ça nous besoin, c'est ça nous besoin pour nous. Non vraiment. Ouais, si le Canada pas une capacité, comment fait qu'il y a une capacité? Qui capacité qu'il y a gagné pour le régler? Donc nous connaissons tout. Son situation qui est de l'autre bagaille qui a réglé, qui est de l'autre mission qui gagne. Qu'a fait pas oublier que qui dégage monsieur ça au pays impérialiste ça va le faire dans zone Afrique là qui ça y a réglé. Donc nous même je dis à faut pays à lui même les vigilants faut nous même nous garder bagarre là dans l'autre sens faut nous veiller moun sa yo et particulièrement les États-Unis dans l'action qui a mené non seulement à travers le gouvernement qui a mis dans tête pays là qui a tout ça qu'a fait pour défendre intérêt pays là nous monsieur dame ça qui dans tête gouvernement ça pas descendre et qu'on a là venir avec PM Gary Koni malgré nous connaît qui sont haïtiens peut-être qu'il y a loi un sentiment d'appartenance et mais nous vraiment inquiets par rapport avec travail que nous connaît Gary Koni a fait et ça qu'a passé dans pays là ça rien plus facile. Parce que je suis capable de dire ça, il y a plus de 4 à 5 ans, côté qui nous pas jamais entendu. On voit même lorsque Gary Koni nous connaît, PM Gary Koni était non poste, côté qu'il pas vraiment prendre position publique. Mais il y a des actions, même l'on pas parlé, qui était capable pour vous. Donc nous pas jamais connaître une initiative contre pour te montrer que solidarité avec le peuple haïtien, qui est un moment extrêmement difficile. Donc nous connaissons qu'il fait partie du gouvernement et Matélien. Là nous connaît depuis les l'aller nous pas jamais entendre une fois et c'est pour ça nous même nous t'es très sceptique nous pas jamais trop entrer dans démarche pour que nous même nous t'es pensé c'est un monde qui fait tout le temps là à l'étranger qui pas jamais sympathiser qui pas jamais solidaire avec peuple haïtien qui t'a venu occuper fonction ça donc nous t'es gain réserve mais à partir des situations qui gagne là bon son situation de fait côté que je dis à c'est Gary Koni qui est en tête du gouvernement. Donc nous-mêmes, nous là, nous sauf que nous optimistes, nous souhaitons que même lorsque nous ne pas croire que c'est un monde comme ça qui est en tête du gouvernement, mais nous croire que le pays a besoin de réussir. Si toutefois, pour tout haïtien, tout citoyen engagé, capable de en collaboration avec lui pour réussir. Et dans tel gouvernement qui est capable d'aider le pays à sortir dans un pas difficile, ça, que lié. Et je crois que, je dis à là, j'en ai tout à dire, hein, que ce soit, et 30 dernières années, ça, il y a différentes missions, et nous connaissons, depuis rentrer après coup d'État, Jean-Bertrand Aristide, là, il y a eu il y a différentes missions qui viennent en 2004, nous connaissons ça qui est arrivé, et ministre a venu, il y a mini-juste, il y a Bini, différentes missions, ça, aussi, en façon, pour yo dominer nous dans toute sphère activité dans quel que soit à niveau dans pays à quel soit secteur politique secteur justice tout secteur ça autre côté que yo prend en otage c'est international la cap diriger qui contrôler tout espace je dis à même question finance nous c'est international là qui imposer moun qui pour contrôler finance nous donc situation là vraiment grave nous connaît faut nous admettre que pays a perdu souveraineté li il faut nous goûter pour nous rapatrier souveraineté ça par rapport que nous connaît je dis à là il y a des projets qui gagnent qui sous deux pays là nous par contre ça li et font très vigilant faut peuple très vigilant pour que nous pas quitter n'importe bagarre rivé pays là et à travers élection gain pour fête là nous croyons qu'il faut laisser tout citoyen connaît que yo gagne pour devoir pour yo rapatrier souveraineté à travers expression que yo pral yo pral mettre dans le niveau élection pral gain là. Ou gagne garantie que élection fait avec équipe qui l'a fait élection. Bon faut qu'élection faite parce que pas oublier pays a gain plus passé ne capable dire n'importe 7 à 8 ans là. Qu'il n'y a pas d'élection là-dedans. Donc, nous pas qu'à arrêter nos siècles, on gouverne la transition. Mm-hmm. Faut soit ensemble des secteurs dans le pays, yo arrange, yo mette yo non niveau pour que nous stopper des risques qui gagnent qu'à continuer là. Question, chaque moment arrivé, c'est on sait des mouns qui a venu, y a mette dans tête pays, qui pas aucune légitimité, nous quoi que, c'est moment ça pour tout moun, pour toute organisation, tout l'autre monde dans la société civile, dans le secteur politique, yo mette yo ensemble, yo aller dans l'élection pour que pays ali même, lui vienne gagner un gouvernement légitime qui est capable vraiment répondre avec responsabilité avec situation que pays a lui-même la fait face pour que population croit que li gagne un monde vraiment li bay un mandat li mettre dans tête pays qui capable vraiment répondre avec ça que li gagne comme obligation. En avance désir parce qu'il faut nous libérer ta les constats du mais Soson. Très bien. Là on regarde quatre figures qui gagne là je dis
Et est-ce que vous pensez satisfaction pour tout secteur qui peut arriver possible sans participation ensemble des secteurs qui permettent de rejoindre le résultat parce que divers acteurs qui font partie du gouvernement, ils ont une participation populaire pour retirer le pays dans sa qu'elle je ne veux dire pas la population elle-même, la Bretagne, c'est quoi qui peut sortir de l'extérieur? Bon, nous-mêmes, nous croyons que le gouvernement, ça qui l'a, c'est un gouvernement qui bénéficie d'une sorte de accalmie par rapport avec situation le fait que nous connaissons un gouvernement qui gagne qui est composé de différents groupes politiques de différentes idéologies son forme de gouvernement mosaïque ça veut dire que secteur qui là-dedans donc quantité force qui était gagne qui t'a posé qui pouvait permettre que gagne on sait des situations côté qui gagne des bagages cap développer dans niveau là où il y a dans cadre mobilisation et gouvernement ça lui-même il pourra bénéficier même lorsque nous connaissons nous sur route là tout pour gagner des voix et gagner des mouvements qui va le faire parce que il y a un peu d'insatisfaction tout parce que quand c'était secteur qui t'est levé voix ou bien t'as rentré dans le gouvernement ça ou bien penser que t'as pral jouer non c'est des postes nous croyons que il y a des monde qui gagne un pile déception qui pas jeune force et monde ça yo ka converti tête en opposition tout mais en dépit de tout nous connaissons différents acteurs qui important qui qu'on habilité dans mobilisation yo fait partie du gouvernement donc je dis à la plus ou moins grand calmer politique et situation ça qui n'a vivre là pendant plus passé 4 à 5 ans population lui-même li bouquet li vle que bon gouvernement qui plus ou moins inspire confiance qui capable vraiment commencer jeter on série des bases pour commencer mettez récamper institution pays parce que situation à vivre là son situation intenable nous pas qu'à continuer là dans encore pays à genoux faut bon moment qui arrive nous dit halte là faut bagaille recommencer faut pays à fonctionner faut que toute situation qui là ça nous gagne là qui c'est pratiquement plus gros problème c'est problème de sécurité hein? Problème côté que population pas qu'à circuler pas qu'à vaquer avec activité li problème nous gagne problème institution côté que la justice à genoux la justice pas qu'à fonctionner problème qui gagne au niveau de secteur éducatif là côté que l'école pas qu'à fonctionner depuis environ 4 ans nous connaissons l'école pas jamais fonctionner si moun yo pas jamais fait un bon 2-3 semaines si t'as dans classe donc situation ça faut